formés pour les examens d'État, brevets des collèges et baccalauréat, LES et S, mais surtout pour essayer de faire en sorte qu'ils aient une tête non seulement bien faite, mais bien pleine. D'où l'importance que nous apportons à une formation totale avec non seulement les cours, mais aussi des conférences qui sont organisées régulièrement, des témoignages d'anciens élèves, de parents ou de conférenciers extérieurs qui permettent une formation plus générale. Troisième axe, évidemment, la formation spirituelle assurée en grande partie par la congrégation de Sainte-Croix, présente sur place, avec un aumônier qui est un jeune prêtre qui assure la formation religieuse obligatoire dans toutes les classes, depuis la 6e jusqu'aux classes de terminale. Si toutes ces activités ont pour but une formation intégrale et chrétienne de la personne, comme le dit notre plaquette, je crois que c'est d'abord et avant tout pour leur permettre d'accéder à ce qui fait leur recherche fondamentale, c'est-à-dire le fait d'être heureux.